Salut tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je suis sur un nouveau chantier, donc une salle de bain à rénover. Donc, je te montre ça tout de suite. Regarde. Donc, tu vois ici, il y avait l'ancienne douche qui était placée à cet endroit. Donc, tu vois les tuyaux, tout va être viré, hein, tout sera nouveau. Donc, on va tout changer. Là, il y avait l'ancien WC. Donc, ici, ce WC-là, on va le supprimer. On va enlever la cloison pour la repousser à l'intérieur. Pour avoir assez de place pour mettre un nouveau WC bâti support à cet endroit. Là, il y avait le radiateur qu'on va justement reculer. Tu vois, je dois encore démonter la console, refaire passer les tuyaux de ce côté-là. Et ici, il y aura le lavabo qui, lui, ne bougera pas. Donc, il y aura un nouveau lavabo qui va être placé à cet endroit. Et toute la salle de bain sera carrelée. Mais dans l'immédiat, on va d'abord installer les tuyaux d'évacuation au niveau du WC. Je te montre l'endroit où je vais travailler. On y va, c'est dans la cave. C'est un petit peu sombre. Excuse-moi pour la lumière. Mais je vais essayer d'éclairer ça au maximum. Donc on est là. Donc voilà. On est à l'endroit prévu. Donc ici, je vais carotter avec ma carotteuse pour faire le perçage pour mon tuyau d'évacuation. Je pense que je vais... Je ne sais pas si je vais peut-être démonter cet endroit-là. Je verrai bien au moment où je vais effectuer le travail. Mais je pense que je vais me raccorder ici. Enfin, je vais voir. Donc là, le tuyau partira d'évacuation partira d'ici et ira rejoindre le WC. Allez, c'est parti. Bon là, tu vois, j'ai pris un thé. Normalement. Je vais faire un trait à mon tuyau avant de le démonter. On y est arrivé. Voilà. Attends, parce que là il fait chaud. Je vais mon pull. Génial cette petite machine-là, bien pratique. Alors, quand tu coupes le tuyau, toujours chanfreiner le tuyau pour avoir une facilité d'embattement. Je vais prendre du liquide vaisselle pour emboîter ça. Je ne sais pas si tu le vois, donc je mets un peu de liquide vaisselle autour du joint, étanche. Ok, nickel. Bon voilà, maintenant que le thé est placé, on va pouvoir carotter pour raccorder ça. Allez, c'est parti. Donc voilà la bête. C'est une carotteuse de chez Karat. Franchement, c'est une bête cette machine-là. Ça fait plusieurs années que je l'ai, elle m'a jamais fait faux bond. Mettre un peu de 40, pour pas que ça se grippe.
est prête, la bichette. Bon voilà, tu vois, nickel, hein. Trou parfait pour passer ton tuyau. Alors, le mur qui est en bas dans la cave, il est légèrement décalé par rapport à celui-ci. C'est pas grave parce que déjà le diamètre de mon trou fait 110 et mon tuyau il fait juste 90. Donc j'ai assez de place pour jouer avec mon tuyau. Mais si au cas ça me gênerait un peu, j'ai qu'à recasser un peu l'arête qui est là pour passer mon tuyau. Sinon, voilà. Nickel, hein. Allez, on continue. Donc voilà, on est encore une fois dans la cave. Donc tu vois, dans le T, je vais mettre une réduction de 90 pour pouvoir mettre mon tuyau. Je mets un peu de savon. Voilà. Ok. Je mets un coude 45 degrés. Pourquoi je ne mets pas de 90? Parce que je trouve que les 45, l'évacuation se fait plus correctement. Tu ne risques pas d'avoir des obstructions avec avec toutes les histoires, les papiers et tout ça. Donc moi je trouve que 45 c'est bon. Non, si tu n'as pas le choix, tu mets de 90. Mais moi ici j'essaye de le mettre à 45 pour ne pas avoir d'ennui avec ça. Donc voilà. Donc d'abord je le fais à l'œil, tu vois. Je ne mets pas de colle. Je mets d'abord tous mes tuyaux. Et si je vois que c'est bon, je commence à mettre la colle. Voilà, je pense que c'est bon, tu vois. Donc là, j'ai dû m'adapter au bâtiment. De toute façon, ces câbles-là, je vais les détacher, je vais les arranger un peu mieux que ça. Donc là, je vais enlever la tâche, je vais légèrement les redescendre. Donc ça, c'est pas un problème. Et voilà, le tuyau, il est mis. Alors, un truc que je fais à chaque fois, avant de démonter, parce qu'après, il faut que je mette la colle, c'est faire des repères, tu vois. Donc je fais un repère ici, comme ça. Voilà, donc je note, ça c'est le coude numéro 2. Ok. Et... ok, mes traits sont faits. Donc je peux les démonter et les coller. Bon là, je viens d'installer l'arrivée d'eau. Je n'ai pas filmé parce que c'était assez compliqué à filmer, donc je te montre juste les images de l'installation, donc comment je l'ai installé. Donc l'arrivée d'eau est installée, l'évacuation aussi. Maintenant, on va installer le bâti support. Bon, voilà. Là, le bâti. Donc alors, c'est un bâti support de chez Gemerit. J'utilise toujours cette marque là parce que franchement j'en suis vraiment content, j'ai jamais eu de problème avec eux. Et c'est vraiment un produit de haute qualité parce que tout se démonte, tout s'assemble, et s'il manque des accessoires, tu peux les recommander. Tout est vendu séparément. Franchement,
C'est un produit de qualité. Moi, j'adore ce produit-là. Bon, alors, maintenant, on va installer le laser pour déterminer la hauteur du bâti. Alors, au niveau fini, c'est par rapport au carrelage qui est déjà posé ici, dans le hall. Je vais le mettre à 1,5 m. Je vais t'expliquer pourquoi je le mets à 1,5 m. Donc, alors, pourquoi je le mets à 1,5 m? Parce que c'est une question de confort, en fait. Parce que j'ai remarqué, parce que je l'installe quand même assez souvent, j'ai remarqué que qu'il te détermine la hauteur du bâti, tu vois, à 1 m. Mais le problème, c'est que tout dépend des cuvettes. Parce que, et tout dépend de la personne aussi. Je trouve que à 1 m de hauteur, niveau fini, je trouve que c'est limite. Parce que pour une question de confort, la cuvette, si par exemple tu la mets à 1 m, la cuvette va être à plus ou moins 40 cm du sol, donc le bord de la cuvette. Et moi, je trouve que c'est limite. Parce que moi, j'ai déjà testé plusieurs fois sur des bâtis que j'ai installés à l'époque. Donc je prenais la référence qui était ici. Et je trouvais que c'était vraiment limite. Et en remontant de 5 cm, franchement, ça change tout. Il y a un confort plus agréable. Moi, je trouve que c'est mieux. Maintenant, tu n'es pas obligé de faire comme moi. Moi, je trouve que à 1,5 m, c'est l'idéal. Donc, voilà. Donc, si on le met à 1 m, la cuvette va être automatiquement à 40 cm du sol. Et ça, je trouve que c'est limite. Voilà. Donc, voilà. C'est, tout est dit. Alors, là, je vais le mettre là, de ce côté-là. Donc là, je l'ai mis à 1,5 m. Tout d'abord, on va installer le tuyau d'évacuation pour déterminer la distance entre le mur et le bâti. Donc là, j'ai le système de fixation que je vais installer ici, comme ça. Voilà, on doit avoir un clic. Voilà, c'est bon. Donc là, je mets mon tuyau d'évacuation. Voilà. On a 16 d'un côté et 16 de l'autre. Alors, là, je fais un trait. Je passe le voie. Ouais. La caméra. Voilà. Donc, je fais un trait avec mon crayon ici pour percer. Voilà. Vraiment, 16. Ok. Et c'est de l'autre. Magnifique. Donc là, on peut enlever ça. Allez, c'est vite, c'est serré. C'est bon. Alors, maintenant, je vais comme vérifier si on est bien 16. Ok. C'est bon. Ok, c'est bon. Donc, je dis 16 à partir de l'arrière du bâti. Hein. Normalement, on est ressorti de 20. Donc, je trouve que 20, c'est l'idéal. Voilà, j'ai mis 16 de l'intérieur et 20 à l'extérieur. Voilà. Alors, maintenant que ça c'est fait, donc tu as des systèmes, tu vois, des systèmes de fixation pour pas que le bâti support vienne retomber, tu vois. Donc tu mets ça comme ça. Attends, je prends ça. Ça voilà. Ça voilà. Et celui-ci, il faut que tu peux sortir les boujons. Tu vois ici, tu as des bougeons qui viennent se clipser. Voilà, tu vois, je les retire. Là, regarde, tac. Là, ne ressort plus. Il faut juste passer ici. Tu vois,
ça tu peux rentrer ta tige pilotée. Ça, on réglera après. D'abord, on va déterminer la hauteur. Ok, c'est bon. Donc, la hauteur. Voilà. Donc, la hauteur, elle est réglée. Donc, ici, tu vois, donc, comme je te disais tout à l'heure, il y a l'étiquette qui a été mise. Mais si l'étiquette n'est pas mise ou qu'elle est un peu de traviole, il y a une autre trait ici sur le réservoir. Donc avec ça, tu sais te repérer. Donc là, tu montes. Attends, il faut que je descende. Ok, voilà. Je pense qu'on est bon. Alors, je vais quand même prendre un niveau. Bon. Là, on est pile poil au niveau. Là, je vais pouvoir fixer la fixation. Et là, avec ton niveau, qu'à régler. Là, il va ressortir. Donc, je ressors. Alors, Generate prévoit aussi des systèmes de blocage de filets parce que je ne veux pas que le bâti aille du jeu. Donc tu mets ça, donc ça c'est pour vraiment coincer le bâti au maximum. Donc tu vois, tu mets ça. Voilà, tu vois. Donc, je coince. Voilà. Donc là, tu as le trou, tu vois, pour fixer le robinet, pour alimenter en eau. Avant de le fixer, je vais d'abord visser ça. Donc, je vais mettre du chauffe pour fixer ce coude. Et puis après, je vais ressortir mon tuyau Alpex. Donc, alors, avec le ressort, je replie mon tuyau légèrement pour aller dans le raccord à sortir, tu vois. Ok, nickel. Bon, c'est bon. Tu vois, ça c'est nickel pour plier tes tuyaux. Je vais couper mon tuyau. Top. Je vais couper. Bavure un petit peu. Donc c'est un système comme ça, vous débavurez le tuyau. Tu vois, je l'ai bavuré parce que tu vois les copeaux. Mais voilà, tu vois. Je vais sortir ça. Là, je t'assure, il n'y aura plus jamais aucune fuite. Le sertissage, franchement, c'est top. Je préfère ça que les raccords mécaniques. Ah, nickel. Alors, on va mettre une bague pour fixer ton robinet.
tu prends le flexible. Voilà. Tu vas directement le visser sur le robinet. Voilà. Nickel. Donc on peut remettre la plaque. Bon voilà, je viens de terminer les cloisons, tu vois, j'ai même fait une petite niche. Alors au niveau du sol, il me reste des résidus de colle à enlever. Et pour ça, je vais utiliser la petite ponceuse Metabo, la RSEV 19 Savette Sec RT. Et je te garantis qu'avec ça, ça va décoiffer. Voilà mon impression au sujet de cette ponceuse. Donc là, tu vois, il n'y a plus du tout de colle. C'est complètement rêche. Là, franchement, on peut mettre le primaire sans danger. Alors ici, il y avait l'ancienne évacuation. Là, franchement, ça l'a carrément raboté. Tu vois, un truc de malade, un truc de fou. Franchement, cette ponceuse, elle est vraiment top. En plus, tu vois ici, regarde, il y a une espèce de capot que tu relèves. Et tu peux aller au plus près du mur pour aller raboter les dernières croûtes de colle qui restent. Franchement, un truc de fou. Maintenant, je vais mettre le top de douche et commencer à primériser le sol. Voilà, j'ai terminé la cloison, tu vois. J'ai même fait la niche. J'ai aussi terminé de poser mon top de douche. Donc là, il est complètement collé, ça ne bouge plus. La cloison pour le WC est terminé aussi, donc j'ai mis aussi les orgues, j'ai terminé l'enduit qui vient sur la plaque. T'as dû sûrement remarquer, tu vois, on a de la moisissure sur ce côté-là du mur. Donc rassure-toi, j'ai quand même enlevé le maximum avec de l'eau de Javel, j'ai reponcé par-dessus,
mais rien n'y fait. Donc les moisissures sont restées. Mais regarde, je passe ma main, j'ai aucune trace sur ma main, parce qu'au départ, quand j'avais enlevé le papier qui était par-dessus, c'était vraiment dégueulasse. J'avais ma main toute noire. Et là, je vois qu'il n'y a plus rien qui rejette. Donc, je vais laisser ça comme ça. De toute manière, il n'y aura plus de problème de moisissure. Pourquoi ? Je pense que l'ancienne cloison a dû sûrement retenir beaucoup d'eau. Et le fait que l'eau est restée dans la cloison, le taux d'humidité de la pièce a dû être quand même assez conséquent. Alors, vu que maintenant, je vais faire l'étanchéité, l'eau qui va ruisseler sur la cloison sera directement évacuée dans le siphon de la douche. Et je pense que ce genre de problème ne reviendra plus à l'avenir. Donc voilà, ici, on va commencer par les bandes. Donc les bandes pour les angles, tu vois. Parce que c'est toujours à cet endroit-là où c'est le plus fragile. Donc c'est ma pet board. Donc je crois que dedans, tu dois avoir 10 mètres dans une boîte en carton. Donc pour couler les bandes, on va utiliser le Mapé Gomme WPS. On va déjà prendre un pinceau pour badigeonner les angles. Donc alors avec l'axe d'un pinceau, je vais déjà badigeonner l'angle pour pouvoir coller ma bande. Bon voilà, j'ai bien de terminer de poser ma bande. Je te montre ça tout de suite. Alors tu vois, je n'ai pas été jusqu'au plafond parce que là, ça ne sert à rien. L'eau n'ira jamais jusque là. Donc là, j'ai préconisé toute cette partie-là. Tu vois. Alors j'en ai profité pour mettre les autres bandes. Tu vois là, c'est mis. Nickel. Là aussi, dans la niche, j'ai mis les bandes de partout. Et là aussi. Alors, quand j'aurai fini de mettre l'étanchéité, je ferai un cordon de silicone autour du top de douche, tu vois. Comme ça, on sera sûr à 100%. Et pour terminer de passer mon étanchéité, je vais passer la pâte de lapin. Bon voilà, je viens d'appliquer les deux passes d'étanchéité. Donc tu vois, j'ai mis une deuxième passe. C'est nickel, nickel chrome. Je vais laisser sécher au moins 4 heures pour repasser une dernière passe. Donc ici, j'ai aussi passé le primaire d'accroche. Donc c'est le primaire de chez Mapei aussi. Le Grip Plus. Franchement, ça... c'est râpeux à mort. Hein. Là, si on arrive à décoller le carrelage, je comprends plus rien. Alors avant de continuer, j'aimerais préciser quelque chose. Tu vois ici le carreau, il fait 30 de large. Alors pourquoi je ne suis pas parti avec un carreau entier? C'est parce que au niveau de la porte, je finissais avec une tranche de 2 à 3 cm. Et je trouvais ça vraiment affreux. Donc c'est au moment du calepinage que je me suis rendu compte de ça. Donc je préfère partir avec un morceau de 20 qui est là. Et je pense que je terminerai ici avec un morceau de 19 ou 18. Ça sera beaucoup plus beau au moment où les clients rentreront dans leur salle de bain. Ça fera visuellement, ça sera vraiment plus propre.
Voilà pourquoi je n'ai pas démarré avec un carreau entier. Alors je prends aussi une petite spatule pour recouper la colle, tu vois. Pourquoi je fais ça? C'est parce qu'au moment où je mets ma cale, la colle ne va pas dégueuler sur le carreau, tu vois. Donc elle ne va pas ressortir. Ça permet que la cale soit bien positionnée pour recevoir le carreau. Alors ici, tu vois, moi, ce que je fais, je ne fais pas des zigzags comme ça, tu vois. Là, c'est parce que je l'étale, ma colle, mais je fais toujours des lignes droites, pas comme ça. Pourquoi je fais ça? C'est parce que au moment où je pose le carreau, l'air va se chasser. C'est pour ne pas emprisonner l'air à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai fait des lignes droites. Bon voilà, comme je te disais, on a terminé avec un grand morceau et franchement le rendu il est bien plus beau comme ça. Parce que si j'aurais démarré avec un grand carreau au niveau du top de douche, franchement on aurait terminé avec un petit morceau et franchement ça aurait été vraiment dégueulasse. Alors tu vois, la salle de bain elle est vraiment toute petite parce que tu vois ici on avait la porte au départ qui s'ouvrait vers l'intérieur. Alors j'ai conseillé au client de la retirer et de remettre une nouvelle vers l'extérieur. Parce que au départ le WC n'était pas prévu, c'était juste le top de douche avec le radiateur et le lavabo. Mais le client voulait absolument avoir le WC dans la salle de bain. Donc j'ai essayé de trouver la meilleure solution. Et pour moi la meilleure solution qui s'adaptait à cette salle de bain, c'est de démonter la porte et de l'ouvrir vers l'extérieur. Pour optimiser la pièce. Franchement, j'ai vraiment insisté pour mettre le WC ailleurs, mais le client n'a pas voulu. Il a voulu vraiment mettre le WC à l'intérieur de cette salle de bain. Sinon, ça va. C'est nickel. Demain, je commence les murs et je termine les jouets du sol. De plus, tu vois, au moment où la porte va se refermer, donc la porte va complètement noyer ce jouet là, tu vois. Donc quand le client sera dans la salle de bain, il ne verra plus ce carreau là. Et pareil à l'extérieur. Et alors avant que tu me poses la question, tu vas me dire pourquoi je mets des croisillons vu que les cales elles font 2 mm. C'est parce que je n'aime pas trop de travailler en 2 mm pour la simple bonne raison que en fait si par exemple il y a une petite différence avec le 3 mm, tu peux encore jouer et rattraper ton jouet, tu vois. Qu'en 2, c'est quasiment impossible. Donc si tu rates ton coup, tu risques de partir avec ton jouet en vrille. Et là, en 3 mm, tu peux éventuellement tricher. Voilà pourquoi. Et le lendemain, je casse. Il arrive des fois que la colle dégueule un peu, tu vois. Alors pour ça, tu prends un Stanley et tu en grattes un coup. Parce que on va faire les jouets, il faut absolument enlever la colle
qui reste dans les joints. Parce que franchement, c'est vraiment pas beau. Mais naturellement, il ne faut pas attendre 3 jours pour faire ça. Hein. Donc, si tu attends 3 jours, là, ça reste, ça risque d'être chaud. Voilà, nickel. Bon là, on va commencer à faire les jouets, mais il faut que je te dise quelque chose. J'ai complètement oublié de prendre mon kit à jouets. Ça m'a carrément sorti de la tête. Donc j'ai été un peu fouillé dans le camion et j'ai trouvé une vieille taloche en mousse que j'avais dans un seau. Tu vois, elle est même foutue, tu vois. Donc voilà, heureusement que je l'ai, parce qu'elle allait partir à la déchetterie, mais heureusement que je l'avais encore, sinon j'aurais dû retourner à la maison. J'ai pris une mousse et pour le dosage, j'ai pris une petite bouteille de 50 centilitres. Donc voilà, on va se débrouiller avec le moyen du bord. Alors, pour les jouets, je vais utiliser le produit de chez Mapei, le Ultra Color Plus, le numéro 114. Anthracite, couleur anthracite. Alors, de toute façon, je ne vais pas utiliser tout le sac parce que 5 kg, c'est de trop. À mon avis, avec je pense avec 1,5 kg, je devrais avoir assez. Alors, 1,5 kg, je sais que pour 5 kg, il me faut plus ou moins 1,5 litre d'eau. Donc, je vais utiliser, je pense, la moitié de cette bouteille pour pouvoir faire mes jouets. Donc, je vais la remplir en moitié. On va le laisser reposer 5 minutes et puis je redonne un coup de malaxage. Bon, les 5 minutes sont passées. On redonne un coup. Là, il est extra. Il faut qu'il soit comme si tu faisais de la colle à carrelage. Tu vois. Pas trop liquide. Tu vois. Alors, pour remplir, toujours en diagonale, pour pas trop creuser. Voilà, ça commence tout doucement à sécher, tu vois. Il y a un léger voile qui est en train de se marquer. Donc, c'est encore un petit peu frais. Je vais encore attendre 5-10 minutes. Parce que, tu vois, si je le passe maintenant, je risque de creuser les jouets. Donc là, on va attendre encore un petit peu. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est émulsionner le jouet. Donc, c'est-à-dire faire des cercles pour enlever plus gros de la matière. Voilà, comme ça. Voilà, le mulsonnage est terminé, donc on va laisser sécher encore un peu, tu vois, ça commence déjà tout doucement à sécher à ce niveau-là. Là ici, je viens de le terminer, donc ça va bientôt sécher. Donc j'attends que le voile se fasse un peu partout pour que je puisse réessayer une deuxième fois. Maintenant que c'est sec, tu prends ton éponge, tu les sors bien et tu la poses sur ton carrelage.
tu vois, comme elle est noire. Donc il ne faut pas la reposer parce que tu vas ressalir. Donc tu viens, tu la rinces, toujours de l'eau propre. Tu les sors bien. D'une main, c'est pas évident. Voilà. Et tu recommences. Une fois que tu l'as relevé, on l'a rincé. C'est vraiment pour relever toute la crasse. Bien essoré. Et tu répètes l'opération. Alors, je vais t'expliquer ce que j'ai fait dans cette salle de bain. Alors, tu vois ici, au niveau du carreau, je m'étais arrêté au niveau de la porte. Comme ça, au moment où on ferme la porte, on ne voit plus le carrelage de l'extérieur. Tu vois? C'est pour ça que j'avais dit de mettre un ouvroir vers l'extérieur pour pouvoir exploiter la place au maximum. Donc, tu vois ici à l'extérieur, si je mets, tu vois, on ne voit pas le carrelage qui est à l'intérieur. Donc voilà, donc j'ai exploité la place au maximum. Tu vois le radiateur, tu vois, on a vraiment la place juste pour le radiateur. Donc j'ai dû m'adapter à la pièce. J'avais dit à la cliente de ne pas mettre le WC ici et de le mettre ailleurs, mais la cliente voulait absolument mettre le WC ici. Donc voilà, j'ai dû m'adapter. Là, on a mis le lavabo, tu vois. Là, c'est moi. Donc voilà, paroi de douche avec la petite niche qui va avec la douche. Donc voilà, chantier terminé. Bon voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu et qu'elle t'aura aidé pour tes futurs travaux. Alors on n'oublie pas le petit pouce bleu, le petit commentaire qui va avec, et n'oublie pas de partager. Allez, à plus.